Les potes, c'est parti. Alors écoutez, la recette qu'on va faire. Avant toute chose, il faut mettre en place. Ah oui. Bon, alors, attendez. On va commencer par les bases. Hein. Commencez pas à croire que je fais ça à chaque fois. Commencez pas. Tiens, je plus. Hop. On met le petit tablier. Alors écoutez, on a la caméra qui est là-bas, celle-là, elle est, on peut la bouger, hein, d'accord. Donc à un moment donné, s'il faut faire des pompes ou quoi, on peut tourner la caméra et s'en charger, c'est pas un problème, ok. Tu veux dire que j'aurais dû voir le live cuisine de Panda le soleil devant mes raviolis avant de commencer la saison. Coltaka. Bonjour à Clis Live. Bon bah tu mets pas trop d'oignons s'il te plaît, vas-y, pas de soucis. Bonjour à Zerk aussi, salut. Salut Panda, tu fais quoi de bon? Je vais préparer un bon plat avec vous tous les potes. Ça va être super cool. Salut la forme, ça va et toi Loédit? J'espère que tu vas bien. No way, le daron va cook des dingues. J'ai hâte, et ouais, ça va commencer tout de suite. Comment il va mon Drisk? Ça va ou quoi? Bonjour à IG aussi qui est là. Let's Panda Cook. Oui, il a acheté un petit tablier. Exactement. Voilà. J'ai mon petit tablier, les gars. Donc, il faut que je le rentabilise, ce tablier. Merci, X-Dragoon, pour le 35e mois d'abonnement. Merci. Merci à toi, mon frérot. Le tablier, il faut que je le rentabilise, les gars. Va falloir faire du live cuisine. Il faudrait même tous les jours où je fais à manger, je fais live cuisine. Ça y est, le setup, il est prêt, les gars. Tout est prêt. On a charbonné aujourd'hui pour que ce soit prêt. Il y a juste depuis tout à l'heure, Ménès, elle veut déglinguer le setup. C'est pas vrai! Mais déglingue-le une bonne fois pour toutes, mais mets un coup comme ça là. Bah! Vas-y! frérot, je peux te poser une seule question sur Warframe, ça te gêne pas? Vas-y, dis-moi. L'eau édite, mais là, j'ai pas de Warframe, j'ai rien du tout. Je pourrais juste te répondre. Voilà. Tu vas nous cuisiner une Cora. Allez, vas-y, dis-moi, Loédite. Loédite, il a une question sur Warframe. Est-ce que tu pourras parler comme le chef du mât? Ah oui, ça, rangé. Tiens, prends couteau bleu. Attention. Ah, Mastanozo qui resub T3, merci. Merci infiniment, merci à toi pour le soutien. Merci pour le 7e mois en sub T3, merci. Merci à toi, 7 mois déjà, ça passe vite. Merci de nous régaler de tous tes lives. T'es un amour, mon poteau. T'es un amour. Je joue Strun Prime. Tu me conseilles 2 ou 3 Warframe avec? Ouais, ça marche bien, frérot, avec les bases. Hein. Si tu joues, je sais pas ce que tu joues habituellement. Tu peux jouer toutes les frames avec Strun, poteau. Tu joues Strun avec la version Incarnon, j'imagine. Si tu me poses la question, avec la version Incarnon, tu joues ce que tu veux. Sarin, bah Sarin, c'est très bien. Tu joues la version Buffer, ce sera encore mieux. Tu vas déglinguer le croc-crâne des gens que tu croises. Ah, t'as pas encore l'Incarnon? Te pose pas la question, joue-le avec ce que tu veux. Tu te poseras plus la question plus tard quand t'auras la version Incarnon. En tout cas, les amis, on va commencer la préparation du plat. Le stream d'aujourd'hui est en collaboration avec HelloFresh. Clique sur mon lien et commande ta box à moins de 3 euros par repas et découvre 3 cadeaux surprises. Le lien et le code sont valides dans tous les pays desservis par HelloFresh et la réduction s'appliquera. Voilà, je devais faire cette petite phrase avant, donc ne m'en voulez pas. Merci à Zerk qui fête son 3e mois d'abonnement. Merci pour ton Prime. Merci pour ton soutien et ta gentillesse, mon poteau. HelloFresh, il régale, exactement. Bon, les potes, je sais pas si vous allez le voir. On a ça, en fait, quand on reçoit le plat, on reçoit un truc comme ça. Du coup, on va le faire tout de suite, d'accord? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va préparer? Ça va être le Saloon Burger au poulet pané. Voilà. Donc on va se préparer ça ensemble. Il y a déjà tout de à peu près prêt ici. Mais les gars, dans ce genre de situation, normalement, salut à toi The Big, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Normalement, les gars, c'est Ménès la chef. C'est Ménès la chef des burgers. C'est elle la préparatrice des burgers originels. D'accord? S'il devait y avoir un point de départ, c'était elle. Voilà. Donc, les potes, ne m'en voulez pas. Je ferai de mon mieux. Ne jugez pas trop. Sa mère, c'est un plan Ikea, la recette. Je te jure. Non, mais c'est bien. Tout est détaillé. Tout est expliqué, tu vois. Je sais pas si je peux bien vous le montrer. Attends, je peux le mettre ici. Voilà, t'as tout ici, tu vois.
Je connais plus ma gauche et ma droite, faut tout inverser. Voilà, t'as tout d'écrit ici, et en fait je vais suivre les indications, et je vais le faire. C'est à la Louis, oui. Oh ouais, Artanix. Attends. Attends, je confirme ça. Attends, faut que je le trouve. T'as galère mon cœur. Bon, je te dirai ça après le stream parce que sinon je vais mettre 1 heure à trouver. Giga sable à faire, tellement bon. 800 pages pour. Ah bah 800 pages, il y a une page, arrête, hein, Minatia. Bon, évidemment, les copains, écoutez, qu'est-ce que serait un événement comme celui-ci sans un peu d'alcool, d'accord? Donc, que l'alcool coule à flot durant cet événement. On a prévu, on a été dépensé une fortune pour une bouteille de qualité, les potes. On s'est pris une petite bouteille de champomy. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas champomy, les copains, c'est ça y va. Niveau alcool, c'est alcoolisation très sévère, ok? Donc, on fera péter ça tout à l'heure, ok? C'est un grand cru, c'est un très grand cru, voilà. Comment il va, mon Kekou? Ça va ou quoi? Bon, on va y aller, les potes. Allez, c'est parti. On va commencer avec. Bon, il vaut mieux faire dans l'ordre parce qu'il faut en sorte que tout se finisse au même moment, d'accord? Pour bien, alors on va commencer avec les smoky potatoes. Veillez. Ah. Coltaka a offert un abonnement. Merci, merci à toi, merci mon poteau, t'es adorable. Alors les gars, le problème c'est que j'ai pas énormément de son. J'entends pas bien les alertes. Je le ferai. Tu veux Je bien? suis là pour ça. Ok, merci. Je crois que j'étais là pour toi. Ah ok, d'accord, depuis tout à l'heure je le faisais, je suis désolé. Okay. Ménès, elle a dit, moi je suis là pour ça depuis tout à l'heure, donc à un moment donné tu me prends mon travail. Et vu que tu me prends mon travail, ce que tu vas gagner, c'est pas réussir à faire un plat, c'est de te manger un coup de boule en plein stream. Parce que moi je vais t'attraper, je suis colombienne, c'est ça qu'elle m'a dit à l'instant. Il y a Loïdi qui dit le champomy, c'est frais, panda. Ouais, c'est vrai qu'il est pas frais là. C'est vrai qu'on l'a laissé ici. Ah, mais c'est Oh, on n'est pas des gens de qualité, nous. Ouais, j'ai un peu honte. Mais juste un peu. Pour le shampoing bien fort, bien, let's go. bon, va te placer, je lirai à ta place. Ok. Allez, zou. Non, mais il faut que tu t'approches alors. Non, tu. Moi, je l'ai là. Ils vont pas t'entendre si tu remercies pour quoi que ce soit. Ils m'entendent, j'entends. Là, tu parles, Là, ils tu t'entends. m'entendent, là. Ah ouais, Jean? De si loin? Bah Mais trop bien ce micro. ouais. Allez, va te placer derrière la table. Derrière la table, bébé, pas devant. On voit juste tes fesses. Ah, il faut que j'aille là? Bah, bien Ah, sûr. pardon. Pardon, excusez-moi. Bonjour, aujourd'hui, on va préparer un petit burger avec le poulet pané. Allez, c'est parti. Il y aura dégustation à la fin ou Il y pas? aura dégustation. Allez. Ah, après, on mange ensemble devant vous. Voilà. Ah, il y a un gros message, faut que je le lise. Bonjour tout le monde. C'est ma première fois avec vous, les gars. Je regarde Panda en cuisine, c'est épique. J'ai choisi le meilleur moment. What, c'est un goat. Quel chef. Ça a l'air bon, détruis pas. Bienvenue à toi, mon très cher Freshinskiz. Bienvenue à toi, mon poteau. Écoute, bah, tu tombes pile le jour où écoute, on fait un live cuisine. C'est le tout premier de la chaîne. C'est pour ça que je suis surexcité, mon poteau. C'est le tout premier de la chaîne. Je suis très content. Allez, c'est parti. Bon. Alors, on va commencer. Alors, déjà, je vous montre ça. Regardez, quand on vous l'envoie, c'est présenté comme ça. D'accord? Donc, il y a le pancho, ça c'est pour faire la chapelure. Ça c'est de la ciboulette et de l'aneth. Là il y a le pain burger, mais c'est du pain brioché. Ensuite, il vous donne suffisamment de patates, ça c'est pour faire les potatoes. Une tomate, parce qu'il faut une tomate. Hein. Ensuite, c'est de la paprika en poudre, alors c'est de la paprika fumée en poudre, de la mayonnaise. De la salade, d'accord, deux. Bah, Alors, t'as une giga salade sa mère, hein. j'ai oublié de sortir le bol pour la salade. Hein. Je vais l'attraper. Une autre tomate, du coup, et. Attends, je vais te dire. Ça a l'air, ce truc. Bah, je crois pas, en fait. C'est pas écrit, bah, ça l'est pas. C'est la viande, si vous voulez.
Là, et t'as ce petit paquet là en papier. Le paquet permet à ne pas se tromper avec quelle recette tu vas faire. Tout est dans toute ta recette et dans un paquet. Et en tout cas, bonjour à tous les potes. Hein. Je vois vos messages parce que j'ai le téléphone avec le chat. Hein. Regardez. Je vois vos messages, les amis. Juste, voilà, je répondrai pas tout le temps parce qu'il faut préparer en même temps quand même. Okay? Allez, c'est parti. Parti. Je reprends ce truc-là. On va commencer avec les potatoes. Préchauffer le four. Allez, on va préchauffer le four. Alors, c'est à ce moment-là que vous voyez comment Panda est grand. La table est à une taille normale. Et il est penché dessus. Il me faut du papier sulfurisé. Oh non! Eh ben, dis donc, Ça commence! Ça commence! il y a des gens qui sont impatients, hein. Ils demandent déjà quand c'est prêt, hein. Ouais, je me dépêche. J'ai pas non plus de l'espace de fou furieux, les gars. Je fais au mieux. Alors, on va commencer avec les patates. Préchauffer le four, je l'ai mis à préchauffer. Laver puis couper les pommes de terre. Tamponner, essuyer-les. Ok, allez, je vais commencer avec ça. Alors, Panda va pas très bien, il galère un petit peu avec son setup, mais tout va Salut! Ça va ou quoi? Allez, j'essaie de me dépêcher, les gars, en mode speedrun. Allez, c'est parti. bien. Il y a des gens qui disent que ta carrière en restauration est limitée, malheureusement. Ouais, bah écoute, en temps normal, je prends tout mon temps. Hop. On a toujours une fin de vie, hein, bébé? Oui. Je lave les pommes de terre, là. Il est terrible. Oh. Chris Light, il dit parti pour faire un level cap avec le burger. Ouais, le Bell Cap Burger. Hop, il faut que je les essuie. C'est Gum qui dit que tu vas finir comme le bossu de Notre-Dame. Mais ouais, je suis obligé de me pencher, sinon vous me voyez pas dans le cadre. Vous voyez comme ça? Ah bah là, ça va quand même. Moi, je peux rester comme ça. Hop, c'est bon. Non! Non, je suis jamais pressée, t'inquiète, Inna. Comment il va, mon Ina? J'ai pas vu que t'étais là. Salut à toi, mon frérot. J'espère que tu vas bien. Le papier sulfurisé. Alors, Panda ne mesure pas 4 mètres, mais il est bien proche des 2 mètres. 1,83 les gars, 1,83. ASMR pour les oreilles attentives. Ensuite, coupez-les. Allez, vas-y, on coupe. Oh! Y voir, ça partait. Vous voyez ce que je fais? Ah oui, voir. Hey, tu les coupes comme la dépotétose, hein? Ouais. Parce que moi, je veux dépotétose, hein? Oui. Excusez-moi, princesse, excusez-moi. Ah ouais, je suis dit. Vraiment, au-delà de votre tour d'argent, votre serviteur est présent pour rendre un maximum heureuse. Ne vous en faites pas. Allez, esclave, un peu plus vite que ça. Inadaptime qui dit bah ça va mon beau panda, j'espère que toi aussi tu Ah, vas bien. embrasse très fort. Je t'aime, Moïna, je t'aime. Sors le couteau prime. J'ai bien aiguisé, ça va? Ouais. La meilleure, ma puce. Ça me fait bizarre de ne pas forcément avoir les yeux rivés sur le... T'inquiète, c'est moi qui monte. Toi, mon chat? Ouais. Il n'y a que toi, en fait. Ouais. Là, tu peux m'inventer un message. Tu peux dire, il y a quelqu'un sur le chat, il a dit que tu as un gros crâne. Tu as un gros crâne et il a vu mieux que le tien.
panda se plaint de la distance des potes en perturbation alors qu'il mesure 3 km. Et Minatia qui dit c'est un couteau Umbra, ça je reconnais à l'âme sur moi. Talina. Talina. Alors moi c'est Ménestis. Non, c'est pas Inès. Ménestis. C'est Inès. Qui c'est qui a dit ça? Loédite, il dit c'est Ménès ou c'est Inès? La blessure en live? C'est jamais arrivé, c'est arrivé aujourd'hui, genre? Non. Jamais je me blesse. Les seules fois où je me blesse, c'est quand j'énerve Ménès pendant qu'elle tient un couteau. Et là, généralement, elle me tape avec le premier truc qui vient, elle me tape avec. Il la moque. Salut, Panda, bon le cap cuisine. Merci. Adorable. C'est vrai que là, on voit pas trop ton gigafond cosmique. Alors qu'on pourrait le voir bien, là. Attends, mélanger les sur la plaque recouverte de papier sulfurisé avec un filet d'huile de tournesol et un demi... Hein ? On fout, eux. Ah, attendez, c'est mal expliqué. Je vais prendre ça. Je vais tout mettre là-dedans. Bon, écoutez, moi je cuisine. Je cuisine à la marocaine, les gars. Ok, quand on dit un petit filet d'huile d'olive, ok, petit filet d'huile d'olive, on y va, ok, on est là, on est des bons vivants, tu vois. Il m'a dit, tu mets un petit peu de paprika, on va en mettre, ne t'inquiète pas, de la paprika, tac. J'ai mis plus d'épices parce que j'aime bien les épices, bébé, donc n'hésite pas à y aller. Hein. Ouais, j'y vais. Regarde, j'y vais, là. Les seules fois où il se blesse, c'est dans Warframe. Voilà, il m'a dit poivre, sel. Allez. Il y a Minatia qui dit j'ai le couteau chef kit de la petite, si tu veux, avec le protège-doigt. Oh, pardon. Hop. Le sel. Un homme à la cuisine, pas un indien dans la ville. Parce que tu danses ça. Voilà. C'est comme ça que je fais, moi. Qui fait autrement, les gars? Voilà, tu mets tout et après tu. Est-ce que tu saurais pas le nouveau ténogène, le panda qui Hop. Ah, ça fait les muscles, hein. Mais laisse plus ôter que Google Home. Voilà, on met tout là. On étale. Et oui, c'est pour la personne. Par contre, non, on va pas faire tout au micro-ondes, on va faire au air fryer et au four. Hein, ah ben là, j'ai déjà allumé le four, quoi, plus. Bah, le four, ça, tu peux l'éteindre. Au air fryer, les pâtes. Ah ouais? Bah ouais. Quoi? C'est quoi cette trahison et tu me laisses l'allumer? Bah, oui. Bon, ben éteins-le alors. Ah, non, mais ma puce, j'aurais dû le laisser là-dedans en fait. Pourquoi je l'ai. C'est la vie. Alors, n'oubliez pas de noter l'assistance de Ménès, sa qualité d'assistante. D'accord? Je vous laisse donner une note mais entre 1 et 10. Mais j'étais mis à frayer juste à peu de temps, pour quelle raison, mon Lino? Non, mais les gens, ils noteront. Je sais d'avance qu'ils seront de mon côté. Il y a des gens qui voient que tu enlèves la casquette pour qu'on voit le fond cosmique du panda. Hop, allez. Ouais, mais parce qu'on a du plein de paprika. T'as mis la musique des petits habitages, j'aime bien ça. Là, je l'ai déposé sur la piste. De l'huile d'olive goût patate. Oui, l'adaptive. C'est de l'huile d'olive goût patate, exactement. Ok, allez, ça c'est bon. Bon, du coup, j'ai pas besoin de ça. Panda ne peut pas se blesser, il a le Vazarin activé. Alors écoutez, je suis matrixé, les potes.
Je n'aime pas laisser des trucs traîner pendant que. Alors je range en même temps que je fais à manger. Voilà. Généralement, si on doit s'engueuler avec Ménès, ça part de là en fait. Je voulais qu'on range, elle voulait pas ranger, etc., etc. Il prime bien les patates avec tous les effets de statue, huile d'olive, sel, paprika pour mieux les one shot. Le bruit que tu nous fais. Pardon, 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 excusez-moi. Excusez-moi. Comment allez-vous tous, ça va ou quoi? Du coup, on passe à la suite. Couper, alors attention, ça je le laisse de. Ben, je le mets dans le air fryer ma puce. Lui, qui dit, si t'es parti en bazar, tu crains rien face aux légumes. Hop. Risque de Mais j'essaie de suivre le plan pour ça. Alors, on enchaîne avec ça. Donc je sais qu'il va me le falloir. combien le four? Je fais la même recette. À combien le four, C'était bébé? à 230. 230. Over 10,000. Bon, ça je le coupe après. Il faut que je coupe aussi tomate. Alors, c'est l'une des deux. Alors, je vais la nettoyer quand même avant. Qui dit 2 sur 10 pour les porcs. Ça juge, ça juge, ça juge de trop. Alors celle-là, je la coupe en morceaux. Ouais, non, remets la casquette en fait. Hop. Vous voyez le fond cosmique, vous l'avez eu, hein? Sur Bobonne, Panda sur la casquette prend 20 ans de plus. Tu verras quand t'auras mon âge. Snickety snack. Couper une Je vais tomate, ça c'est bon. Ciseler la nette, alors ça je vais le ciseler. Allez, vas-y. qui a pris un abonnement Prime. Salut tout le monde. Salut! Salut mon gigabro, merci pour le sub, merci, t'es incroyable! Merci, merci, merci! Même pas besoin de plan de travail avec ce gigafon cosmique. Écoute pas le Miouberou, je vais t'attraper, moi, tu vas voir. Soso qui dit bonjour. Salut Salut Soso. Soso! Salut, 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 j'espère que tu vas bien, Soso. Y a Zoé Kawaii qui a lâché 5 abonnements offerts. Oh, merci, merci Zoé! Merci du fond du cœur, t'es adorable! Merci, merci, merci! Merci Zoé! Merci à toi. Est-ce que tu peux nous répéter qu'est-ce que tu fais à manger aujourd'hui? Je fais un burger au poulet pané. Du coup, dans un petit bol, mélanger la mayonnaise avec une pointe de moutarde et la moitié des herbes ciselées. Gardez le reste pour la salade. Alors je vais prendre. Zoé, toutes les patates pour Whisp. La moutarde de ma... la moutarde est là. Normalement tout préparé. Ouais, mais ça me dérange de prendre un truc. Ça va? Je vais prendre un autre bol. Comme pas tout casser. Allez. On manque de rangement. On n'a pas assez de rangement dans cette cuisine. Ouais, ça fait longtemps que je voudrais aller à Ikea pour aller chercher des grosses étagères là, pour mettre toutes les machines et tout. Et on n'y va pas, et c'est à plus d'une heure de route, donc la flemme. Je préfère lancer un stream. Ah non, va bien, Soso. Donc ça, c'est la mayo, je vais faire une petite sauce avec la mayo. Tac. D'atterrissage, le bordel. Le pire. Petit bol, mélanger la mayonnaise avec une pointe de moutarde et la moitié des herbes ciselées. On va mettre la moitié. Hop.
Et un peu de moutarde. Ah désolé, on t'a donné faim. Oui, exactement. Désolé. Du coup, elle te passe commande un double cheese. Allez, c'est parti. Il y en a pour deux, il y en a pour trois. Et à Yoko qui dit non, tu te trompes, 138 burgers pour la commu. Et pas un burger. Hop. Un SOS Bambi pour les dépendants. Tac, mélange bien, il y a la moutarde, il y a la mayo. Je sais fixe, mais non, Top Chef c'est ici. Et ouais, on a voulu acheter le tablier Top Chef. C'était trop cher, c'est des voleurs. Tu me prépares quoi pour vos vacances dans la bulle de tes coups? Tu prépares quoi? Un giga steakos, frérot. Oh, je vais venir avec. Un steakos hier, il était pas bon. Ah, mais on l'a acheté. On passait par hasard à Auchan, parce que je voulais acheter ça, je l'ai trouvé que à Auchan. Hé, qu'est-ce que tu fais? Non? Oui, toi tu chasses, non? Fais gaffe, hein. Oui, non! Je savais! Où est l'hygiène? Où est l'hygiène? Je t'aime. Allez, filme. Toi qui dit la table 3, attends, la commande de tout ça, tu fais quoi là? Je me dépêche. Ensuite, j'ai préparé ça. Maintenant, il faut que je panne mon poulet. Recouvrez le poulet d'un film véritable et aplatissez-le pour l'affiner en le frappant avec un rouleau à pâtisserie ou la paume de votre main. Coupez les filets en deux escalopes. Si. Très épais. Ah là 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 là, tu me demandes à faire beaucoup trop de travail. Oh. Je t'ai tout préparé, mon linou. Hein. Attends, je vais faire ça où? Ici? Bah oui. Si t'as besoin de petites assiettes, t'as deux grosses assiettes là-bas. Bah, il faut le film. Tu peux passer, hein. Il faut le film qu'on a acheté hier, là. Utiliser les mains après avoir touché le chat, pas grave. Nous, on vit comme si on était dans la nature. Ouh, il veut être le ratatouille de panda, le petit chat. Après, je crois que t'as jamais vu ratatouille. Si. Ouais. Bah, bien sûr. On ne prie qu'à la fin pourquoi c'était le ratatouille. Tout le long, tu dis pourquoi il s'appelle ratatouille. Est-ce que Mick qui passe par ici qui dit oh le salut OMG, j'ai faim. Salut ma petite Aski, j'espère que tu vas bien. J'espère que t'es au top, copine. Hé hey. Non, aussi gueule, j'ai pas montré mes pieds. C'est vrai, on voit les pieds de Ménès oui. Depuis tout à l'heure, mais c'est terrible. En plus, elle a des paluches, les gars, elle a des paluches. De toute façon, même si quelqu'un les prend en photo, la photo, elle tiendra jamais la taille des paluches. Alors. Non, mais t'as bougé la caméra parce qu'on les voyait pas tout à l'heure. Faut que je filme ça. Ça prépare un petit burger au poulet, façon. Façon Far West. Ouais. Parce qu'on est des cow-boys, nous. Hop. Pas très bien, Esquimi, on fait des bisous à Benji. Et des gros bisous à Néron de notre part. Allez, c'est parti. Ça, je vais le défoncer. Je vais lui taper dessus, les gars. Ah ouais, mais comment on va faire? Il faut baisser le son du micro, je crois. Vite, faites un clip des paluches. Non! Je crois qu'il faut baisser le son. Les gars, pendant que je vais taper le... Parce que ça, il faut que je le tabasse. D'accord? Parce qu'il a mal parlé de ma mère. D'accord, je vais l'éclater. Ça va faire du bruit. Je vais couper le micro, je le remets après. A tout de suite.
2 années de sub. Et de 2 années. Wouhou! Sneakity Snack, guess who's back? Sneakity Snack, j'ai faim. Merci mon cacahuète, merci pour le 41e mois. J'espère que tu vas bien mon cacahuète, ça va ou quoi? Bon, j'ai fait un peu des bêtises là. En fait, à force de taper, j'ai pas vu que la cam, elle se barrait quoi. J'étais en train de faire ses valises. Mais c'est bon, j'ai fini de faire ce que je vais faire. Super, merci. Okay. Du coup. Il y avait Nilim aussi qui a pris un abonnement. C'est pour la deuxième année. Merci. Merci à toi pour ton réabonnement. Merci. Merci infiniment, merci à Nozifix aussi qui s'est abonné, merci à toi, t'es adorable, merci à tous les abonnements les potes, vous êtes des amours. Merci à vous tous, merci. Vous êtes les rois, alors ça je le mets ici. Et après j'ai le cul qui suit ta recette. Allez, c'est pareil, fais tout pareil. Là je vais faire la chapelure. Donc là je mets de la farine. Par rapport au clip de mes pieds, j'ai voulu faire une capture d'écran, mais ça m'a mis espace insuffisant vu qu'il y avait mon gros crâne. Il me faut des œufs, ma puce. Ou deux œufs. Deux œufs, un ou deux? Deux, ouais. Deux, allez. Wouhou! Sneakity Snack, guess who's back? Pandalove. Axe Poulain, merci. Merci à toi pour ton risque. Merci à Supra Gardienne aussi. Mais ma puce, tu m'as dit que t'allais alerter pour les subs. Mais j'ai pas. Merci à Supra Gardienne qui offre son Prime. Merci pour le 6e mois d'abonnement. Merci. Et merci à Axe Poulain aussi qui fête son 4e mois d'abonnement. Merci. Merci les potos. Merci à tous. Vous êtes adorables. On a écrit, oui. J'aurais trop aimé le voir tabasser avec son front. Comme ça là. D'habitude, c'est les poulets qui tapent les rebeux par l'inverse. Comment. Hop. Tac. Wattek a dit calme-toi le thé, c'est quoi ces acharnements là? M'a mal parlé le poulet, vous avez pas vu? J'en ai renversé par terre si tu peux. Je vois pas du. Je le vois d'ici. Ok, on est bon. Bon, en tout cas, tu les as bien fait, hein. C'est non, mais vous savez pas là. Hein. Lassez la farine dans une assiette creuse, battez les œufs, croisez de mélanger la chapelure avec une généreuse pincée de sel et de poivre. Généreuse, soyons généreux. Je crois qu'on met de la paprika aussi, non?
Tremper successivement. Ouais, mais non, mais moi je préfère mettre de la paprika aussi sur. Tu préfères toi aussi, ma puce, hein? Ouais, mais j'ai mis plus de... Même des épices à pizza, j'aime bien. Bon, il y a Turbo qui dit les pieds, le chat, la papote, le bon burger OMG. Ah ouais, moi je suis. Écoutez les gars, à la bonne franquette, hein. Si Philippe Etchebest il vient, il m'insulte ma mère. D'accord? Il me lâche des FDP, hein. Je vous le dis, hein. T'avais dit merci à Supragardienne du coup? Merci Supragardienne, merci infiniment. Tu sais qu'on t'aime Supragardienne, la chef responsable des Reines des Neiges et la consultante en avatar. Voilà. Allez, une demi-année de passé et vive notre MNS. C'est pas de moi, hein, c'est promis. Tremper successivement le poulet dans la farine, puis l'œuf et enfin dans la chapelure. Allez, c'est parti. Alors écoutez, moi j'ai une technique. Je vais la faire. Je vais faire ma technique, les potes. Axe Poulain qui a aussi pris un abonnement Prime. Merci, merci Axe Poulain, merci à toi mon gigabro, merci infiniment pour le soutien. Merci, merci, merci. Alors moi je mets ici dans la farine, tac, comme ça là, vous voyez. On le fait avec générosité, on n'hésite pas. Doucement à la camel check à nouveau. Hein. Bah oui, à chaque fois que tu fais des mouvements aussi. Ah ouais? Non, t'inquiète, la touche pas, la touche pas, elle va bien. Ok. Juste vas-y doucement quand tu lâches J'y la vais dent. doucement. Et là en fait je vais planquer la planque, tu vois, comme ça là. Tu vois, là on dirait que c'est de la farine. Mais non, il y a un poulet de caché dedans. Oui, effectivement, si vous n'avez pas de panko, les cornflakes feront l'affaire. Et après, je le mets ici et je refais la même. Bruce qui dit, tu vas mélanger l'œuf avec sa mère, c'est presque parallèle, ça. Ah ouais, c'est clair. Ça, c'est abusé. Non, mais c'est vrai en plus. Oh la Ayoko. tristesse. Oh là là, attendez, attendez. Ayoko, il a pris un prime déjà. C'est son cinquième mois l'abonnement. Ouais. Bah dis merci. Merci Ayoko, merci. Merci à toi, merci infiniment du soutien, t'es adorable. Merci, merci, merci. Et attention, c'est Ouais. Fragardienne qui a offert 5 mois d'abonnement. 5 mois. 5 abonnements. Ah merci Supragardienne pour les 5 subs offerts, merci. Merci à toi, merci pour la force, merci pour ta gentillesse. Merci, t'es adorable. T'es trop adorable. Moi, je fais une double chapelure, les potes. Strat, garde une main au sec Non, c'est la strat. pour les autres. C'est la strat. Voilà, comme ça, j'ai de la pâte qui est générée au bout de mes doigts. Et après, à la fin, hop, tac. On voit pas la fin, bébé. Elle est pas passée dans le cadre. Pardon. Alors, on la voit toujours pas assez sûr. Ah Bouge ouais? le. Non, attends, non, non. Ah ouais, on voit des Le pieds. rouleau. Rouleau. Je vais le mettre là. Voilà un gros steakos de poulet, sa mère. Et du coup, vu que tu gardes de la panure sur tes doigts, tu veux frire tes doigts aussi, c'est Ouais, ça? ouais. Là, je vais me laver les mains. À la bonne franquette, on a dit. Encore merci, Supragardienne. Merci, t'es adorable. Merci. Cadeau du mois. T'es trop gentil, Supra. T'es extrêmement gentil. Ah, dis-moi un peu plus. Ça m'est remis mes pieds dans le cadre. Ouais. Mais ça y est, il y a un album photo qui a été fait là déjà. C'est pas Ça obligé. va très vite. Tu pourrais mettre des pantouflettes? Tu veux pas? Tu veux pas? Tu veux pas? Désolé, je suis matrixé. T'as fait les deux burgers là ou tu t'es lavé entre deux Non, j'ai pas fait les deux. Je me suis lavé entre les deux. Je pense que c'est le bon moment.
C'est le bon moment ou pas? Ouais, c'est le bon moment. Vas-y. On a un truc à fêter. Du coup, après, finis pas pompette, s'il te plaît, ma puce. J'en ai marre de te ramasser à chaque fois. Tu te réveilles le matin, je te retrouve sur un buisson. Ah oui. Je me dis, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Il y a des détraqués dehors. Hein. Ménès, plus grosse ivrogne. Plus ivrogne que vous tous réunis. Ceux qui demandent, en fait, le bébé, c'est ça? À la vôtre! Allez! Un champagne qui a coûté au moins tout l'argent des abonnés. Voilà. Merci! On a tout mis dans. Vraiment, on est des gens, on est niveau gestion de la thune, on est au top. Il s'est pas sabré, il y a le champagne, désolé. À la vôtre! Merci à tous d'être présents, les potes. À la tienne, ma puce. Attends, devant la caméra. Allez. Un délice. Bon, continuons. Oh, yeah. Oh, Supra-Gardin qui a donné 100 bits. Il a dit à la tienne, Étienne. À la tienne, Étienne. Elle est adorable. Zoé qui te conseille de sortir le Nikama Prime pour sabrer le champagne. Ah oui, mais je sais pas faire ça. Je sais pas faire. Allez, je recommence l'action que j'ai faite tout à l'heure. Après, il y a quelqu'un qui a dit c'est pas très hygiénique de mettre sous l'eau. Alors, si normalement, si on le consomme juste après, c'est pas grave. Et c'est vrai qu'il faut jamais mettre en contact de la viande blanche avec le poulet, les gars. Bébé, je t'aime de tout mon cœur, tu le sais. Ouais. T'as lancé les frites? Non. Faudrait peut-être à un moment, non? Ah, mais je l'ai mis dedans. Ah. Bon, on est très exigeants ici, hein, avec moi. Hein. C'est terrible, hein? Le retour du poulet en plante dans la farine. Ouais, là tu le caches. Là tu le caches. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient à ce moment-là, qui dit écoute, j'avais qu'un seul poulet. Tu vois? Voilà. Tac, ça c'est la technique. Ensuite, t'enchaînes avec l'œuf. Chadéon qui dit ça me rassure mon panda, je suis pas le seul à détruire un appart du sol au plafond pour deux pauvres burgers. Ah ouais, moi je fais tout le temps ça, c'est terrible. Hein. Et c'est pour ça que je range au fur et à mesure, ça me donne bonne conscience. J'ai l'impression d'avoir fait le bien. Je suis désolée Zoé, mais il a décidé de ne pas l'écouter. La main au sec, il n'aura pas. Non, ça n'arrivera pas aujourd'hui. Ça n'arrivera pas. Désolé de vous le dire. Ça me fait deux gros joysticks. Non, mais il faut pas avoir peur de mettre la main dans le cambouis quand on fait à manger. Parce qu'on le fait avec amour. Tu comprends? Là, je fais à manger avec amour. Merci pour les 100 bits supragardienne. Si un voleur débarque pour ton poulet, balance-le dans le nether avec les mamas. Ah ouais, le nether, putain, c'est... Allez, va chercher les poils. Allez hop, on remet ici. Donc, du coup Zoé elle dit alors mets ta main collante sur le chat, allez va chercher les poils. Ah non. Non pas à ce point là quand même. Hop, c'est bon, on le déterre. J'y arrive. Et là, hop. Ça va, puce ? Ça va. Exetec qui dit un PG qui cuisine, comment ils vont ? Comment il va, moi, Exetec ? Ça va ou quoi ? Surtout qui
8h pour deux burgers. 8h pour deux burgers. Mais quand tu veux bien manger, ça prend du temps. C'est vrai que là, par exemple, j'avais faim. Ça fait déjà 1h que le live a commencé. Hein. Non, mais après, il y a eu un long moment où on a dit bonjour. Sachant qu'en plus, tu viens juste de lancer les frites. On s'est fait la bise, on s'est regardé, on s'est dit ça va ou quoi. Moi, ok. Je suis fédèse de être là à chaque stream pour lire des messages, comme ça, Panda ne manquera aucun. C'est vrai que là on n'en manque aucun. Hein. C'est vrai que Ménès, elle est très. Ménès, on la remercie. Hein. On salue Ménès, on la remercie pour ce qu'elle fait. Elle est géniale. Hein. Allez, c'est parti. La suite. C'est fait. La forme, vous deux, vous allez bien tous les deux. Ouvrez le pain burger en deux. Dans l'épaisseur et tartinez-les d'une fine couche de beurre, si vous le souhaitez. Tu veux faire ça? Beurre? On fait jamais ça, hein. Tu peux le faire? Ah ouais, vraiment? Bah, je suis la recette. Mais toi, tu changes mais trop, la hein. recette. Quand le stream, il allumait, t'es une autre personne. Il y a Shadow qui dit... Imagine quand vous aurez 3 gosses, il faudra démarrer à 13h30 pour le repas du soir. Non, mais là, on discute, on papote. Non, hors stream, j'en ai déjà fini. Hein. Hors stream, j'en ai déjà fini, les gars. Pour Tiggle qui dit, on a envie de verser du shampoing sur le crâne de Panda qui ne fait qu'augmenter. Allez. Ah bah attends, il faut le four. Mais non, on a plus. Soit je les mets à griller dans le grille-pain, soit je les mets au four et on peut mettre du beurre. C'est une façon de dire. Ça ne te dirait pas d'abandonner ton idée d'avoir du beurre dans ton burger. Ou alors tu mets du beurre et tu les mets à toaster comme on a toujours fait. Pas avec le beurre après. Voilà. Ouais. Par contre, et puis la chaleur du toaster, elle est beaucoup trop forte. Merci Turbo, c'est top pour Ménès, on lâche tout plein de beurre. Mais de la sauce ça suffit, mais je suis tellement d'accord avec tes coups. Hein. Mais non, mais ça donne un petit côté. Ça donne un petit côté. Oui. Non, mais parce que à un moment donné, à force de donner des petits côtés, on n'en finit pas. Plein de love sur toi aussi, mon Soso, plein de love sur toi aussi. Allez, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ouvrez les pop burgers, on fourrait les. Minatia qui dit le truc qui précise de couper dans l'épaisseur. Ah bah non, au cas où tu coupes le pain en deux. Non mais attends, en fait, j'ai même oublié un truc. J'ai oublié de découper le. Attends. Monte le cul là. Ça se voit bien. Excusez-moi. Sans bits, je suis brave gardienne. Allez, les gars, pour Ménès. Allez, go, 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 go. Go, 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 je me dépêche. Ça, c'est pour la salade. Ça, c'est mes tomates. Ça, je vais le nettoyer. Et du coup, je vais couper la salade. Je ne me suis absolument pas occupé de la salade, en fait. Allez, je nettoie ce truc-là. Je me dépêche. J'avais dit que je faisais un speedrun. J'ai baissé en rythme. On est loin du speedrun, là. On est loin du speedrun, ouais. Panda, taillé un en burger. Faut que je coupe les deux. Il est tellement trop parti qu'il a pas entendu. Je crois qu'il faut en couper qu'une. Soso qui dit si ça c'est un speedrun.
Soso, t'es de mon côté d'habitude. Pico qui rajoute, on est en slow run. Ma sœur qui te propose même de t'envoyer un ribbon. Bon, on appelle Philippe Chévez pour l'aider. Le turbo. Survie serait plus rapide. Arrêtez. Est-ce que tu peux dire arrêtez de me battre? Arrêtez. Oh, c'est un peu trop cuit. Mais t'as commencé à faire chauffer la pomme? Non. Est-ce que t'as fait comme je t'ai dit de baisser Eh, hey, tu donnes trop d'ordre. Bah oui, mais bon, c'est toi qui cuisine. Oh, ils sont cramés. T'as pas baissé la chaleur, mais je t'avais pourtant prévu. Mais c'est qui l'a augmenté autant? Moi, je l'avais baissé un peu. Non, c'est pas cramé, ça va. Aou. Il est noir comme mon âme. Ah ouais, ton âme est noire? Ouais, je suis un peu dark, ça suffit, moi. C'est bien baissé, là. Arrêtez, je suis pas là pour souffrir. Arrêtez. Garde la paix qui dit c'est carré, ça croustille. C'est pas Garde qui donne 100 bits pour lâcher des XD, quoi. Madame qui dit salut, je sors de ma cuisine et je tombe sur la cuisine. Au secours. Attends, j'ai du bordel partout, je range un peu. Votre panda national est un peu en PLS. C'est son premier lave qui cuisine, pardonnez-le. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ah oui, le plan. Cuire la viande, mais ça il reste 10 minutes, non? Attends, j'en ai plus besoin. Oh, fais voir la canne. T'es sûr que ce sera cuit? Oui. Et je reviens après le speedrun du repas. À toutes. Alors attends. Vérifie les pains là qu'ils soient pas trop cuits. Et du coup, il faudrait que je prépare une salade là, vite fait. Tu m'envoies. Ouais, mais écoute, ça va être bien. Yeah. Faudrait que tu m'envoies un petit saladier. Comme ouais, ça? Celui-là, ouais, c'est bien. Ok. Ça. Ça cuisine un burger poulet pané, poulet frit, poulet panko. Je vais nettoyer la prochaine salade et prochaine tomate. Par contre, je vais les couper en rondelles. Je vais les couper en rondelles cette fois-ci pour les burgers. On arrive au bout là, hein. Il n'y a plus qu'à cuire 2-3 trucs et c'est fini. Hein. Là, ça va être surtout, j'aurais dû lancer les patates bien avant. Ça va, on a encore 9 minutes, ça devrait aller. 9 minutes, ça sera fini.
Salut. Là, tu vas bien? On se fait la bise? Moi, moi. Écoute, tu te lâches pas avec ça, hein? A few eternity later. La banane qui propose de ramener à l'apéro, il demande à quelle heure on mange. Dans pas longtemps, dépêche-toi d'arriver. Ben ça, j'ai nettoyé déjà. Le mec qui te dit que t'as un très beau tablier. Merci. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui te l'a dit. Hein. Ouais, personne ne me l'a dit. Il n'y a que toi. Hop. Mais laissez-le, il essaie de faire de son mieux le plus vite possible. Mais oui. Ok. Ma salade est prête. Ma sauce est prête, tout est prêt. De toute beauté. Brooklyn qui dit de toute beauté en prenant son prime. Ah. Ah, merci à toi, merci pour ton prime, merci pour ton soutien et ta gentillesse et ta générosité. Et ça fait combien de mois? Parce que Benes, elle ne le dit pas, ça fait 7 mois. Merci. Merci à toi, Wackness. Merci mon gigabro. Allez, c'est parti. On va préparer ça. Donc les cramés, c'est pour Ménès parce qu'elle a fait que se foutre de ma gueule. Inatia qui dit, je balance pas, Turbo avait pas vu le R dans Braise, il est déçu du coup. Hein? Oui bébé. Comment ça, j'ai pas compris. C'est marqué le roi de la braise. Ah. Ah, il faut enlever le verre, il faut enlever le verre. Du coup, il est déçu. Ok. Mes bras sont grands. Bon pas qui dit, il a manqué, Chebest. Ok, je mets à cuire ça. Tu veux dans l'huile d'olive? Pourquoi tu m'as préparé l'huile d'olive? Ils disent qu'il faut de l'huile d'olive. Ah, Après voilà, tu fais pour la le sauce. Le poulet dans l'huile d'olive, c'est bon? Ah, pour la sauce vinaigrette? Ah oui. Ouais, allez. Ah, c'est pour ça. Il faut un peu de moutarde. Attends, Nix qui dit il faut lui mettre le 2 de volt, il va aller plus vite. Je me dépêche, je me dépêche. Profitez de la cuisine, si ça si allait aussi vite que vous le dites, eh ben, on serait déjà plus en live. Me dépêche. Je suis très gravée qui dit, j'ai pensé à toi hier au boulot, j'ai deux filles qui se sont déguisées en reine des neiges et ont piqué les effets en disant que ça serait plus efficace que de la neige. Tu vas dans un magasin, Supra? Albatras qui dit fais une jolie prestation, faut que ta petite femme se croit, se croit être au resto. Mais je suis tout à fait d'accord. Oniyama qui dit salut Panda, je vois que tu as trouvé une nouvelle vocation. Ouais, j'arrête Warframe. J'arrête de pousser les darons dans le nether en jouant des jeux vidéo. Attendez, secrètement, t'as toujours voulu faire des live cuisine. J'ai toujours voulu faire des live cuisine. J'ai toujours, toute ma vie, j'ai voulu faire des live cuisine. Et Ménès, à chaque fois, me dit, si tu fais live cuisine, je te quitte. C'est pas vrai. Elle m'a dit, si tu sais pour te retrouver à me faire grossir tous les jours comme ça, c'est mort. Monsieur Croque-Mort qui dit salut tout le monde, salut chef. Salut à toi Croque-Mort, j'espère que tu vas bien. Il reste 3 minutes pour ça. PVV qui dit salut, à la fin il y a des burgers. Ouais, oui, normalement.
Heureusement, il s'est débranché. Attrape-le-moi, attrape-le-moi. Oh, okay. La chance. Il faudrait qu'on... Ok. Une voix de Fico qui dit, alors pour la livraison, mon adresse, c'est... Ça, c'est bon. Regarde, quelqu'un qui dit, non, je suis une animatrice dans des écoles, j'en parle. Ah, ok. De l'huile. C'est parti. Entre Anix qui dit, et Panda, n'arrive pas à la nouvelle cam. Ah, on en met encore. Minata qui dit, si c'est pour te retrouver à mélanger de la salade au couteau de cuisine, t'as pas fait ça? Bah si, je fais ça, moi. À la bonne franquette, on m'a dit. Alors, je comprends pas, peut-être t'as la ref, un cristaux d'infesté qui devient Vega vegan. Attendez, vous voyez? Tac. Vous êtes prêts les potes? C'est dans parti. Spam. Premier mois. Ça aurait été meilleur goût que des carottes. J'ai pas la place là. Si. C'est vous qui pose la question, c'est bien l'air fryer? C'est trop bien. Un peu plus d'avis, s'il vous plaît. C'est extra, non mais ça change la vie. Hein. Beaucoup moins de gras et tout. Et rapidité pour la cuisson de ce que tu mets et tout ça. Jean Spam, merci infiniment pour le 6e mois d'abonnement. Merci à toi. Ménès, ça m'a pas dit que t'avais... Si, je te l'ai dit. T'es tellement concentré que tu l'as pas entendu, monsieur. Merci, merci mon Jean Spam, merci d'un amour. Bon, là, le poulet, il est en train de finir. Il reste 60 secondes. Je vais commencer à mettre les sauces. Kachinsky qui dit vous êtes trop mignons tous les deux. Ah, il adore. Ouh. Alors, ce premier avis sur ce premier live cuisine. Hein. Moi, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment. J'étais très concentré sur le plat. Je pense que si je le refais un jour, je fais un plat un peu moins compliqué. Mais j'ai passé un très bon moment. Ça, c'est ma sauce. Ça, c'est ma sauce. Non, en vrai, nous, ce qu'on fait, c'est que... On les fait comme vous avez vu au début du live avec Panda, on le met dans un bol où on va mettre un peu d'huile dessus, des épices et tout. Et du coup, elles seront légèrement badigeonnées d'huile. Et c'est grave meilleur. Parce que nous aussi, on n'aime pas quand c'est juste sec. Ça avance plutôt bien. Oh, Natia a dit, bah nous on en avait un de air fryer, Turbo a racheté une friteuse et a mis la machine au placard. Oh merde. Alors, attendez, je vais goûter la patate. Monsieur Croque-Mort qui dit, char de jaune IRL de air fryer. Je goûte, hein. Spicy qui dit c'est de la viande d'aigolo ou bien. Alors, je mets la salade. Je mets la salade la plus. Ok. Je vais faire que tu passes ramer le poulet dans pêche.
prochain live stream cuisine. Bouillabaisse. Bouillabaisse. Qui a dit ça? Réfléchis. Taille. Ça ne va pas le dire, c'est désolé. Ok. Allez, on coupe. Oh là là, mais ça va être des burgers. Tu veux du fromage ou tu le manges comme ça? Non plus, ça va être une taille de burger. Tu veux mettre du fromage, c'est maintenant. Je vous propose de faire une soupe pour le prochain match. En vrai, ça dépend, si tu fais une vraie soupe, c'est la galère. Hein. Ok. Alors, j'attends juste que Ménès m'envoie le fromage. Elle l'a décidé pour du gouda aujourd'hui. On n'a rien d'autre. On va te mettre, il y a de l'autre, là, la mozza aussi. Oh, c'est mouillé la mozza. En burger. Et c'est elle qui dit, vous me donnez faim avec votre trousse. Je mets le fromage. Tourne la cam, on voit encore mes pieds. Écoute, mais c'est toi qui as voulu venir pieds nus, ma puce. T'as passé tout le stream à te plaindre. Ah merde. Hop. Ensuite, là c'est celui de Ménès. Celui-là c'est le mien. Alors, du coup, là on arrive sur la finalisation. Ça y est, il n'y a plus rien qui cuit maintenant. Hop. C'est vous qui demande où sont les oignons. Il n'y a pas d'oignons. Il n'y en avait pas dans la recette. Parce qu'il te dit propre. Tac. Ah, je suis d'accord. Le fromage la prochaine fois, mets-le sur le poulet 2 minutes avant de sortir de la poêle. Ouais, j'ai oublié. On a vu qu'il n'y avait pas de fromage dans la recette, j'ai zappé. Tiens, je laisse ranger le fromage en plus. C'est vous qui dit remboursé. Il n'est pas content qu'il n'y a pas d'oignon. Je range tout ça pour que ça ait un peu plus de gueule. Mais je suis d'accord, il n'y a pas d'oignon, c'est sacrilège. Moi aussi, j'aime trop les oignons. Je vais manger ça aussi. Il y a Philo qui dit, je crois qu'il n'y avait pas de fromage non plus dans la recette. Non, il n'y avait pas de fromage. Ouais, mais là, tu les as rajoutés alors que les oignons, tu ne les as pas rajoutés. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Hop. Cadeau d'oignon. Ils peuvent être contents et l'eau fraîche, c'est du beau boulot, vous êtes bien déchirés pour ce live. T'as vu ça? Merci, merci pour ton message, t'es adorable. Merci à toi.